Welcome to Silverstone, home of the British Grand Prix. This iconic track held the very first World Championship Formula One race back in 1950. Avec un temps l'anglaise. Amongst the fans and drivers alike. With over 30 P1s to his name, Lewis Hamilton's already one of the most successful pole sitters in Formula One history. Well, he's added to that impressive tally this weekend. And today, he'll be hoping he can add another win to his record as well. His work isn't done yet. He still needs to take the advantage of being on pole and turn it into a race win. As long as he has no mechanical issues and can stay out of trouble in that first corner, he could make this the perfect weekend. The dominant force so far this season has been Mercedes. They have the best car and two of the best drivers on the grid. It's hard to not see them maintaining their ascendancy throughout the rest of the season. Mercedes have such a great setup. Alors, je sais si on la stratégie de course, on s'arrêtera à la fin du 8e, maxi, on mettra les durs à ce moment-là et on remettra les médiums à la fin du 19e tour. Et tu fais gaffe au premier virage et au départ, ne pas se faire piéger dans les premiers tours avec le poids du carburant embarqué. Voilà ta feuille de route, à toi de jouer. Merci Cyril. D'ailleurs, parmi les viewers, est-ce que vous pouvez me faire un petit point viewer sur YouTube, parce que je sais qu'on est 6 ou 7 viewers sur Twitch. J'ai pas ton... Ah, c'est sur ma chaîne YouTube, en fait. Mais regardez ça tout de suite, je vous fais un point viewer, mon cher Henri. Merci beaucoup. Ah, 12 utilisateurs regardent la vidéo, ce qui est plutôt pas mal, je vais vous le dire. On a comme d'habitude hein, entre 15 et 20, voire un peu plus parfois, viewers à chaque fois. C'est toujours un bon score et ça fait plaisir. Allez, on va attaquer la course. Bottas qui attaque Ricciardo déjà. Enough fuel in the tank to get us through the whole race. Remember that we'll get lighter and faster as we get through it. Thank you.
Ok, d'accord. Ouh. On va accrochage avec Massa. Ah ouais, je viens de voir. Ah là 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 là. Voilà l'IA hein, qui est toujours aussi fantastique. S'il connaissait le prix de la bagnole, il rentrerait pas dedans. Putain, c'est une dégoûte à chaque fois. Hein. Putain, c'est incroyable. T'es en ligne droite, les mecs ils te font des gros zigzags derrière et puis ils t'embarquent la voiture. Enfin bon. Voilà donc une course qui semble bien compromise du coup. Aïe 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 aïe, j'étais dans le rythme, putain, ça c'est dramatique. Hein. C'est vraiment un problème cette IA qui ne respecte rien. Attends, j'ai coupé le son. Ah ah. Bordel. Hop, là tu t'en entends. Ouais. Ah, ouais. Ouais, on t'entend tout le temps. On t'entendait aussi. Ouais. C'était démarrant. Démarré, bah c'est bon. Voilà, voilà. Bon, qu'est-ce qui s'est passé là? Eh ben, il y a eu un petit accrochage. Ah, alors, je ne saurais te dire avec qui. Ma soeur qui est venue embarquer l'arrière de ma bagnole. Donc du coup, joli tonneau et obligation de rentrer au stand au deuxième tour. Non, le 22 avril, il n'y a pas beaucoup de gros stuff. Ah, ça va, c'est pas compliqué. Ça va, t'as ouf, ouais, c'est tout con. Non, non, ça va, c'est pas grave. You're losing 2 seconds a lap to the car behind. 2 seconds. T'as fait du très bon boulot, Commence à l'utiliser. On va voir si ça marche. Déjà avant de. Avant de fanfaronner, comme il dirait chez toi. Ah, tu l'as, Rainbow Six? Ouais. Ah, ben vendredi, on fait Rainbow Six tous ensemble. Tac. Oui, ceux qui seront disponibles. C'est bon, lui? Par contre, c'est couillant parce que. Ah non, attends, tu stream quand toi? Hamilton's in first place. Mais le Keep Talking, il a quelle heure? Ah, attends, aussi il faut acheter des trucs. Ah, c'est bon, t'as rectifié ton erreur. Parce que planning, tu l'avais écrit avec un N. Non, mais j'avais, en fait, j'avais écrit partout avec deux N et c'est Lolo qui a rectifié ce matin. Ça va, hein. Demain, c'est Keep Talking, ouais. Ah, c'est demain, ouais. 20 avril. Ah, c'est parce que tu. Moi, Tiff, tu l'as mis le même jour que toi, c'est le 21. Non, non, mais c'était pas moi, hein, c'était toi. Hein. Ouais, c'est pas moi. Là, sur le planning, sur le site. Toi, tu ouais, mais je... Leg, moi, tu non, c'est toi. Ouais, le film. Non, mais c'est ton live que j'ai créé sur le site, en fait. Non, mais c'est les dates qui sont pas bonnes, en fait. Ah, non, je rectifie. Ah! Ah, un problème! Les fast, c'est pareil, il y a un jour d'avance. Ah ah! Estimating from Steven
On fait un duel pour monter si tu arrives à faire durer le duel le plus longtemps possible et on va espérer un éventuel coup de pluie pour faire un coup de poker. Est-ce qu'il t'a annoncé la pluie pendant la course? Je sais pas, mais c'est bien menaçant en tout cas. Ah. Alors tu repars à pluie. C'est un temps en anglaise, hein. Ah, c'est ça. Ça parle de gros jeux là sur YouTube. F1 2006 sur PS3, F1 Restart. Oh, y a un problème dans les dates. Ah. Il suffit de regarder. Ah ouais, d'accord, je vois la bourde, ouais. En fait, dans l'agenda, j'ai mal mis les événements, j'ai décalé d'un jour. Ok, autant pour moi. Autant pour moi. Bah, on t'en veut pas. Tellement pressé d'être en week-end que le vendredi, je le place le jeudi. Ah ouais, d'accord. Aucun Angel, est-ce que tu arrives à réduire l'écart avec Steven? Ouais, j'ai déjà récupéré 10 secondes là. Il te reste 15. Enfin, moi j'ai vu 15 secondes. Qu'on a un écart? Il reste 15 secondes d'écart avec lui. Sachant qu'il y en avait 25 quand je suis sorti des stands. Donc c'est le jeudi 21. Tout à fait ça. Et Fast, il pouvait être deux. J'ai à corriger dans le planning. Ça se met à jour. Je vais corriger sur le site. Bah, je suis sûr que sur une erreur comme ça se mette à jour tout seul ou s'il faut aller sur le site. D'accord. Ben remarque, je vais aller essayer comme ça. Tu peux déplacer le tien, je vais déplacer celui de face et puis je te l'ai. Comme ça, je vais me connecter avec lui. Je vais apprendre. Alors, non, ça marche. Ok, Angel, c'est parti, on est dans le. Il y a un incident de piste. Putain, qu'est-ce qui se passe? Un Button qui est cartonné, qui va abandonner alors qu'il joue à domicile. Un Button qui a crevé l'avant gauche. Pourquoi il y a une cadena à Fast? Mettre à vous. Ouais. Pastor's front wing is looking in a poor state. You should see him fall off the pace. Ça y est, c'est bon. Now.
lost about 25% of our starting fuel, so that's three quarters left. The car should be feeling a bit lighter now. Alors, pilote de tête vont s'arrêter au jack, on va pouvoir remonter. About a lap's worth of spare fuel in the car. You won't be able to run in mix 3 for long with that much, but do burn it if you need to. Raikkonen's taken the lead. Someone's come off ahead of you. There's a yellow flag ahead. Et moi qui fais souvent plusieurs jeux, on pourra mettre la photo des deux jeux. Là, va falloir que tu te fasses Paint Pro ou Photoshop. Green flag. Green flag. We're racing again. Fais-moi un check-up des pneus. En fait, j'ai pas paramétré la touche. Je suis emmerdé là. Ah. Je pensais l'avoir fait, mais apparemment pas. Et du coup, je peux pas te faire de check-up des pneus là. C'est emmerdant ça. Just made a move for first. Attends, on va régler ça. Ericsson's next, just 5 seconds. On va régler ça parce que sinon c'est même pas la peine. Customize control. Par contre, je crois qu'il faut que tu le. Faut pas que tu les re-règles aussi avant de lancer le jeu complet. Non. Ah, ça va alors. Alors par contre, info, je vais le mettre sur celui-là. Ok Angel, sachant que tu t'es arrêté au deuxième tour, si je me trompe pas, on passera en médium à la fin du 13e. Voilà. The brakes are too cold. You need to get some heat into them. Brake hard going into the next couple of corners. Ah, excuse-moi Paddock, hein, j'ai pas du tout suivi ce que Cyril m'a dit. Je te dis, t'as dit, sachant que tu t'es arrêté au deuxième tour, comme si tu te trompes, tu passeras en médium à la fin du 13e tour. Ça va, ça discute sur YouTube.
Ah ouais, non, mais il y a plus de monde sur YouTube, hein, Twitch. C'est un peu plus compliqué. Après, tu peux être mieux référencé que sur Twitch, c'est ce que. Ah ouais. Cool, j'ai pas l'habitude d'aller sur les lives YouTube. Ah, pourquoi ça marche mieux? Pour ceux qui ont la chance de streamer sur YouTube, bien sûr. Ah, toi, t'as joué, t'as perdu. C'est ça. Ben, c'est vrai que je trouve que ça marche. Franchement, je trouve que c'est sympa. YouTube, ça marche bien, c'est vraiment. Allez, encore là. We've just dipped under the 30 kilo mark in terms of fuel. We have 30 kilos of fuel remaining. Juste pour Angel, donc je passe sur YouTube. Ouais, c'est vrai que Twitch, tant que t'es pas partenaire, tu l'as dans l'os. Pour rester poli et parler d'os, c'est un peu le souci. Partenariat, bah il le donne, faut avoir du monde quoi. C'est un cercle vicieux en fait. Vu que t'as une qualité, ta bug et tout, tu peux pas attirer du monde parce que ton truc bug et du coup tu passes pas partenaire. Ouais. La boucle est bouclée. C'est ça. Visionnage en cours quand même, hein. Et ouais. Il rigole pas le mec avec sa Formule 1. Moi j'ai 19 sur YouTube. Ouais. Et 7 sur Twitch. Il y a Cyril qui dit que tu peux passer en mix 3 au besoin si tu veux. Je passerai le mix 3 quand je passerai les pneus neufs parce que là ça sert à rien avec les pneus cramés. Ok. Ok, Angel a réconfirmé la fin du 13ème et tu me suis Hülkenberg à la trace. C'est un bon coach. Ouais, mais il est pas mal ce Cyril, c'est dommage qu'il ait pas de TS. Ah ouais, ça donnerait vraiment bien avec le chat vocal. Ouais, il y aurait du bon RP là. Ouais. Mais après, pour que ce soit bien fait, il faudrait qu'Angel ait la même voix que dans les casques de la fête. Cyril, il faudrait qu'il ait un truc comme le mec qui lui parle à la radio. Franchement, ça serait top du top. Raph DBT dit alors ce Grand Prix de Chine, avis. Voilà, tu as eu un résumé, Raph. Et encore, c'était bref, hein. Il aurait pu faire plus long. Là, il t'a énoncé que les. La base. Les grandes lignes. Ah, il est concentré là. Puis il est chaud ce circuit, hein. C'est pas un de mes préférés celui-là. Profite, profite, parce que plus tard il y aura Singapour. Ouais, ça aussi ça va être drôle. Bah, celui-là il est tendu. Cyril qui dit que tu pourras repasser, enfin que le top 10 est toi. D'accord. S'il le dit, c'est peut-être vrai. Quand tu auras changé de chose. Oui, enfin, ouais, il faut que tu repasseras en médium. Tu as l'air space. Eh, t'as le plus en peur, je crois. De quoi tu dis? Je dis, tu as bientôt les 200 followers qui approchent. Eh hey, hey. Eh. Même sur YouTube, ça monte, ça monte. Doucement, ça monte. C'est bien. Il y a du monde maintenant, c'était ça, petit à petit. Allez, Box Angel, demande les options. C'est déjà fait. Ok, d'accord. Impeccable.
C'est bien avec vous deux sur le TS là en même temps, on se croirait sur Canal+ avec les documentateurs de F1. Ouais, alors vu ma connaissance niveau de F1, moi je suis plutôt là pour te tenir la main plutôt que... Je te rassure, je m'y connais autant que toi. Alors la magnifique Lotus qui prend son élan. Alors tu vas voir, Shooter, si on parlait de d'arrêt au stand, on va regarder là encore un petit arrêt. Le problème c'est qu'on peut même pas essayer de commenter parce qu'on t'a en différé nous aussi. Et ouais, c'est ça qui est... Ah, le bug du jeu, vous allez voir dans, avec le différé, la rentrée dans les stands. C'est magnifique. Ah. Déjà je veux la rentrer sur le gazon. Ah oui, effectivement. Ah ouh. Il fait un angle droit avec son volant. T'as vu ça, la voiture qui fait un arrêt net? Peut-être qu'il finit dans la course avec les durs. Ok. Voilà, voilà. C'est tout pour le moment. Eh, vous avez pas un téléphone à me conseiller? J'ai envie de changer de téléphone. Je peux changer de téléphone. OnePlus X. Hein? OnePlus X. Quoi? C'est quoi ce? Ouais, j'hésitais avec le Z5 ou le 6. Non. Je sais pas ce que ça vaut. Non mais c'est pas une blague hein, ce que je te dis. Mais c'est quoi ce téléphone? C'est une marque qui est pas française hein, mais c'est OnePlus, la marque. OnePlus, ouais. Et ils font des téléphones qui ont... qui sont de très bonne qualité et qui ont des niveaux de performance qui sont au-dessus des niveaux des Samsung. D'accord. OnePlus One. Alors c'est... Le OnePlus One, c'est le premier qu'ils ont sorti. Là maintenant, il y a le OnePlus 2 qui est vraiment classe. Ouais. Il coûte peut-être un peu cher, je sais pas le budget que t'as. Sinon, le OnePlus X qui est petit, fin et compact. One. Ah. Oh, c'est un téléphone, oh, ça ressemble fortement à Samsung. Ouais, sauf que tu payes pas 800€ pour avoir un téléphone. C'est ça. C'est sous Android? Ouais. C'est un bel écran. Écran Full HD. On va voir un peu la note qui donne. Verdict. Oula. 3 sur 5. 10. We have approximately 50% of our initial fuel load remaining. 50% remaining. Aucun gel suivait-elle te servira de lièvre. C'est ce que je fais. Hein. T'es passé en mix 3 ? Ouais. Ouais, du coup là je mets une surveillance de la consommation pour pouvoir pas me faire avoir. Merde, il rentre au stand, ça c'est con ça. Tires are overheating. Easy into the next few corners. We need to cool them.
Okay, here's the fuel situation at the moment. We have 20 Salut Rebecca, kilos bonne fin de soirée. 20 kilos. Create a gap and let the car behind through. Hülkenberg is coming into the pit lane. He's entering the pit lane now. Ferrari are readying for a pit stop. One of their drivers is coming in. Utiliser le mix 3 pour deux tours encore en gel. Box à la fin du 20e et on remet les options. In first place. Fuel level is now 15 kilos. There are 15 kilos of fuel remaining. Okay, options for your next stop. The window opens in 2 laps time. 2 laps. Alors, tu as eu Hülkenberg en point de mire, continuer d'attaquer jusqu'à ton entrée au puits.
his lap. Angel et Cyril qui dit de faire attention de demander les primes et les options qu'il faut. The window closes this lap. Vous entendu? Ouais, c'est bon, merci. Ah, c'est bon, alors. C'est parce que c'est un peu chaud là, tu verras sur la vidéo. Mais de où j'ai touché, j'ai pas touché. Un chaud. Si j'arrive. Ouais non. Bah j'arrive. Of our initial fuel load, there's 25% remaining. Mais non. Changing your brake balance forward might reduce your fuel load. Ah, je m'autorise un instant replay. J'ai fait de la merde. Blue flag conditions create a gap and let the car behind through. Voilà, vous m'excuserez, mais je me suis autorisé un flashback. Parce que là, c'était complètement déconné ce que je viens de faire. Ça a tapé devant entre Hamilton et Alonso. Vous allez voir sur la vidéo avec le décalage. Ouh, ah oui. Ah ouais. Écoute, t'as gagné des places. Et je rentre au stand.
bon messieurs, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Bah merci à toi Shooters d'être passé sur le live. Y'a pas de quoi, finis bien ta course et puis ben... Et puis à bientôt, hein? Ça marche, à demain. Au revoir. Au revoir. Tire temperatures look optimal. Good job. Et pour le carburant, c'est ok de rester en standard. D'accord, je vais changer ça. Il t'avait dit juste avant, à l'envers de prendre le moteur de poignée. At this rate, we'll finish with a little extra fuel, so you have some in hand to run a faster engine mode for a bit. Le top 10 de Paroi devant Hülkenberg. Push, push. Vingt viewers. Ça c'est cool ça. Merci à tous. Ah, j'ai 18 secondes sur Hülkenberg, ça me semble compromis hein, pour aller le chercher. Même en récupérant une seconde au tour. Vous évitez, tu seras vraiment pas loin. C'était pourri. Ah ouais, bah, à cause de cet incident de course, hein, donc l'IA hein, qui m'a envoyé promener, j'aurais pu finir encore dans les points.
Et du coup la course qui va être écourtée d'un tour puisque Lewis Hamilton en a fini avec sa course et donc a remporté la victoire. Voilà, dernier freinage, dernier virage. Et voilà, on terminera la course à la 12e place. Et ben, désolé, hein, le top 10, ça aura pas pu le faire hein, finalement. Bon, on aurait pu faire mieux s'il n'y avait pas eu cet incident de course au départ. Lewis Hamilton has won today's race with an absolutely sublime drive. Et oui, Cyril, comme tu dis, cet incident a cassé toute notre stratégie de course parce qu'on pouvait battre les Williams et les Red Bull en terminant la course avec les options quand eux étaient en dur. Et je suis bien d'accord avec toi. Maintenant, je suis bien désolé. J'espérais mieux. Mais bon, ta stratégie était bonne, moi j'ai fait mon maximum, voilà, c'est l'IA pour ce coup-ci, on peut pas se reprocher grand-chose. Donc ce qui nous donne au championnat du monde des pilotes, bah, Lewis Hamilton qui garde la tête devant son coéquipier, Sébastien Vettel est 3ème, Raikkonen qui monte à la 4ème place et qui fait dégringoler à la 5ème place Valtteri Bottas, Ricciardo qui reste à la 6ème place, 7ème Massa, 8ème Kiat, Perez 9ème, je suis toujours 10ème, attention derrière Button hein, qui a 9 points. Après on a Max Verstappen, Fernando Alonso, Hülkenberg, Sainz, Maldonado, Ericsson, Nasser, Stevens et Mery. Et au championnat du monde des constructeurs, Mercedes toujours en tête devant Ferrari, Williams, Red Bull, Force India. Nous sommes 6e. Derrière, on a McLaren, Toro Rosso, Sauber et Manor. Voilà. Donc on va pouvoir revoir hein, ce départ hein, qui s'était plutôt bien placé. D'ailleurs, pour ma part, hein, j'étais resté sur ma ligne. Pendant que les autres s'étaient tous décalés, donc là au premier freinage, au premier virage, ça a été un peu chaud avec Massa déjà. Et heureusement, sans accrochage, j'ai réussi à résister à la Williams du Brésilien. Une gare au ring, ça dépend, non, ça peut le faire, hein, on verra, hein, y a moyen de faire des choses. Donc on va pouvoir revoir hein, sur le replay l'incident de course hein, qu'il y a eu entre Massa et moi. Donc on va voir aussi l'accrochage qu'il a failli avoir avec Massa, avec Bottas et Ricciardo aussi, hein, puisque devant Bottas qui avait bien réussi à remonter sur Ricciardo, Ricciardo qui défendait bien et qui a surpris Bottas, qui a dû lever le pied et moi j'en essayais d'en profiter, malheureusement c'est pas passé. Donc Cyril, hein, comme je te disais, ouais, le Hungaroring sur la prochaine course, ça peut être jouable, hein, non c'est pas un circuit que je déteste, hein, ça pourrait le faire. Ah, c'est vraiment décevant hein, parce que le début de course j'étais dans le rythme, j'étais bien placé et ouais, c'est ici où on aurait pu faire quelque chose. J'ai dû un petit peu bloquer les roues parce que devant ça s'accrochait sévère. Là c'était l'attaque un peu suicide. À 3 de front dans la chicane juste avant la ligne de départ arrivée. Et c'est là où Massa est venu s'engouffrer dans mes échappements. À revoir au moins si c'est moi qui ai fait une bêtise ou si c'est encore un problème de l'IA hein, mais j'ai quand même des doutes hein. Donc la Massa qui tente une première attaque à laquelle j'arrive à bien résister puisque je reprends l'intérieur ici. Et c'est après l'enchaînement Magots Beckett Chapelle que ça va être moins évident. Merci The Phenom pour avoir passé la soirée. Bonne fin de soirée à toi. Et à bientôt. Donc pour info, jeudi je serai de nouveau en live. Toujours sur de la F1 et cette fois-ci en coop avec Cédric. Donc
Donc soyez au rendez-vous, hein, vous aurez une petite annonce sur le Twitter et le Facebook. Donc c'est ici hein, qu'on a eu l'accrochage avec Massa. Voilà, il fait énormément d'aller-retour hein. Sur la piste, on le voit hein, faire des gauches-droites. Et cet énorme accrochage, si on regarde. Alors attends. Je peux pas. Comment je fais pour. Je peux pas revenir en arrière donc. Le replay qui sert à rien. Bon bah voilà. Tu es hunter, tu as beaucoup trop décalé du coup. Je pense que lui n'a pas eu trop le choix, mais t'as vu les coups de volant qu'il mettait de fic-fic derrière. Donc Cyril qui dit que c'est complètement de sa faute. Bon bah ça va, au moins je suis rassuré. Il y avait les commandes qu'il y avait en bas à gauche, tu pouvais pas faire le marche arrière? Non, les boutons RB et tout ça fonctionnaient pas, alors je sais pas, c'est bizarre. Donc du coup ça a mis un fin au reflet, mais bon c'est tant pis, pas grave. Voilà, donc ce live se termine, j'espère que ça vous aura plu. Bon ben... En tout cas... Moi je suis un peu déçu du résultat, hein, j'aurais espéré mieux. Bon, on aura l'occasion de redébattre sur les commentaires dans le replay que je mettrai de la course d'ici la fin de la semaine sur l'incident avec Massa, mais moi pour ma part j'étais sur ma ligne de course et lui a pas arrêté de slalomer derrière, et quand on est une voiture dans les rétros qui arrête pas de faire des gauches droites, il y a un moment où on sait plus trop où se mettre et voilà donc il a fait énormément de coups de volant je trouve et du coup c'est voilà, on a perdu la course à cause de ça. Oui Morgane Traverse, désolé, tu arrives un peu tard. C'est la fin du live, donc merci à tous ceux qui sont venus. On va peut-être faire un petit point. Donc on a 8 viewers sur Twitch et on a combien sur YouTube? J'étais à 11. Ouais, tout le monde est plus ou moins parti, on était à 20 il y a quelques minutes. Donc on a encore fait un bon score ce soir. Merci encore à tous. Je vous dis à jeudi hein, pour la coop avec Cédric sur F1 2015, même endroit, même heure. Allez, passez une bonne soirée, amusez-vous bien, à plus, ciao ciao.